Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière sur PCM24 avec Angelo Moura qui va aller faire son premier Tour de France. Oui, le tout premier Tour de France d'Angelo. On va démarrer avec ce prologue hein, de 6 km où il devrait y avoir très peu de différences qui vont se faire. Mais bon, il va falloir être bon quand même, il va falloir essayer d'être bon, perdre le moins de temps possible. On a une très très belle équipe avec nous, on a Jay Hindley. On a Rafferty, on a vraiment tous les meilleurs grimpeurs qui seront avec nous pour nous aider à faire le mieux possible aujourd'hui. On a terminé dans le top 50. On va essayer, hein. On va essayer, mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, je vous cache pas. Allez, on a Vlasov, on a Lipovic, Kamna, Jungels, Hindley, Bouman et Murat. Non, là, on a une vraie équipe autour de nous. On a une vraie, vraie, vraie équipe autour de nous. On fait ça en 7 minutes 24. Ah, ce sera battu, hein, ce sera battu. Évidemment, est-ce qu'il y en a qui vont faire moins de 6 minutes? Parce que là, on a quoi? On a 6,5 km. Alexandre Vlasov qui a 3 secondes. Pas mal, pas mal, Vlasov, pas mal. Pas mal du tout, mon petit Vlasov, pas mal du tout, hein. Alors, on a Paulès qui fait mieux de 10 secondes, on est en 7,14. On a forcément battu aussi Benjamin Thomas, 7,03. Je sais pas qui t'es, Benjamin Thomas, je te connais pas, mais plutôt pas mal ce que tu as proposé. Ben O'Connor n'est pas très loin, Kevin Vauclin aussi, Skelmoj, Rafferty, t'as qu'à 8 secondes. Rafferty n'est qu'à 8 secondes. Hein. Pas mal ce qu'a fait Rafferty. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais, il fait mieux que Vlasov. Lipovic qui va bientôt partir. Ah, ça y est, on est en 7 minutes. Hein. Luc Plap qui est en 7 minutes. Fais voir comment ils font. Ah, ils partent vraiment ouais, genre à 88-89, quoi. Hein. T'es obligé. Hein. T'es obligé de partir très fort. T'es obligé de partir très très fort. On a un Pierre Latour qui est là. Florian Sénéchal. Pas mal de noms connus. Milési qui est dans le même temps. Milési, on sait qu'il est bon. C'est que c'est un très bon en contre-la-montre. Kamna n'est pas mauvais aussi. Va peut-être pouvoir. Yves Lampaert, mais n'est pas très loin. Kamna, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Kamna, pas du tout. Hein. Kamna est très loin quand même. Attends, c'est Rafferty qui a fait le meilleur temps pour. Pourtant, pas non plus des stats de fou en contre-la-montre. Hein. Pas des stats de fou, mais suffisant pour. Pour faire ce qu'il faut pour l'instant, un très bon chrono pour lui. Tour de Bob Jungels de partir. Qu'est-ce qu'il va nous faire notre bon vieux Bob? 54e à 47 secondes, c'est très loin. Très très loin, c'est le plus mauvais chrono. Jay Hindley, Bisseguer, ça y est, en 6,48 Bisseguer, hein, putain. C'est fort, hein. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Jay Hindley qui s'envole, il est en plus 2 aujourd'hui, Jay Hindley. Jay Hindley, qu'est-ce qu'il va nous faire? 39e à 45 secondes, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Skelmoj du coup sera loin. Rafferty toujours dans le top 15. Pour combien de temps, je ne sais pas. On est censé faire mieux que Rafferty quand même. Hein. C'est bien censé. Je dis bien censé, mais c'est pas forcément vrai. Bouman qui s'élance. Bouman, je sais pas ce qu'il vaut. Lui, je sais plus ce qu'il vaut en contre-la-montre. Bouman, il est loin à 46 secondes, donc c'est le plus mauvais chrono. Angelo qui va partir. Est-ce que quelqu'un battra Bisseguer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il a fait quand même un sacré temps, Bisseguer. Un sacré temps de fou. Stephen King est juste derrière. Et on est en plus 3 avec Angelo. C'est beau. On a pris plus 7 en prologue. Oh, c'est magnifique ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Je me mets à 88, je pense. Allez, hein, ça part à 88. 88, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais mettre 87. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, pour l'instant, 87, c'est bien. 87, c'est très bien. Là, du coup, le plus 3, il fait plaisir. Hein. Surtout le plus 3 en contre-la-montre et le plus 7 en prologue. Le plus 3 en plat. Bon, ah, je crois qu'il y avait des gens là. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait des petits gens là. C'est que je peux pas aller plus vite. Hein. Je peux pas aller plus vite. Je peux pas aller plus vite que ça. Alors, le truc est complètement buggé, c'est dommage. On est déjà à 1 km. Bah ça part sur du 99. Allez. Allez, 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 allez. Et c'est une 40e place à 36 secondes. Je comprends pas. Je comprends pas comment Rafferty fait mieux que moi alors que j'ai un plus 3. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. M'expliquer comment ils font. Ok. Et c'est bien Stéphane Bisseguer qui va prendre le maillot jaune. Il va prendre le maillot jaune, Stéphane Bisseguer. Ils sont où les Vingegaard,
Ah, il y a Remco, hein, ouais, il y a Remco, putain, Remco. Oh là là, les stats de Remco. Oh là là, là, il y a Remco, il y a tout le monde. Hein. Maintenant, il en montagne, il est un peu moins bon, mais. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, Remco. Il y a Tibéri qui frappe très fort. Hein. Tibéri, gros, solide, hein, solide, Tibéri. Très, très solide. Milési, bon, lui pourra pas gérer en montagne. Ghana. Ghana qui est si loin alors qu'il a 83 en prologue. Et pourtant, tu vois, Bisseguer, c'est 79 et 82. Bon, 80 de plat. Kung, je suis un peu surpris qu'il soit derrière. Primoz Roglic qui est là. Et ils sont où les autres là? Ils sont où les petits gars là? Pogacar qui. Bon, il est devant nous, hein, mais Pogacar qui a fini quand même assez loin. Pogacar et Vingegaard qui est là, ouais, qui est juste devant. Et nous, on est derrière, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de Pogacar, on est à 3 secondes. Ok. Ok, il y a. Ouais, les gars, il y a Remco, il y a Pogacar. Il y a tellement de monde, ça va être une folie. Ça va être une folie et il n'y a pas de grosse étape de montagne, hein. Celle-là, on va la jouer aussi, on n'a pas trop le choix. De toute façon, tout ce qui est vallon, si je ne veux pas perdre de temps. Bon, logiquement, là, c'est vraiment très court. C'est vraiment très très court. On est à 90 de forme. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il va falloir être bon. Il va falloir être bon et attendre les premières étapes de montagne pour faire des différences. Faire des différences. Hein. Je pense que la première où il y aura vraiment des différences, c'est à la planche des belles filles. Hein. Pogacar est favori. Ah ouais, bah oui. Hein. Tu m'étonnes que Pogacar est favori. Tu m'étonnes que Pogacar est favori. Ah non, il va falloir essayer de rester avec lui, quoi, ne pas perdre de temps aujourd'hui. Ce sera l'objectif, évidemment. Ce sera l'objectif. Et si on ne termine pas, terminer dans le top 10 au classement général final. Ok, on va essayer. Hein. Bob Jungels, allez, tu vas protéger Angelo qui est en plus 3 aujourd'hui, encore une fois. Il prend un petit plus 2 en vallon. C'est pas mal. Hein. On va se placer ici avec Remco. On va afficher le top 10. Remco qui fait partie des favoris aussi aujourd'hui. Sma 71. Et bonne chance. Et bonne chance, et bonne chance, et bonne chance. Il y a 5 échappés qui sont partis. T'as le Tour de France, les gars. Le Tour de France! Que ça fait plaisir. Attends, Vlasov. Ah non, ok, il est en électron libre. J'allais dire, Vlasov, il est mort ou quoi? Mais Vlasov, il est en grande forme. Il est en électron libre aujourd'hui. Et Bouman, du coup, qui protège Vlasov. Je peux même pas cliquer dessus, quoi. Je vais voir ses stats, je peux même pas. Je peux même pas, je peux même pas. Chute de qui? Vingegaard qui a chuté! Incroyable! Ça c'est bon ça, une chute de Jonas Vingegaard. Alors je pense pas que ça va lui faire quoi que ce soit, mais au moins. Au moins, il a pris une petite chute. Il a pris une petite chute. Par contre, on n'avance vraiment pas. Hein. Chez EF, on veut peut-être pas garder le maillot. On leur a laissé 11 minutes d'avance. C'est beaucoup là quand même, les gars. Hein. Ah, vous leur laissez beaucoup d'avance quand même aux échappés. Hein. Je dis ça, je dis rien. Janeley, du coup, qui sera très bon dans la montagne pour nous protéger, pour nous emmener d'Ipovitz. En plus 3, c'est magnifique. 78 de montagne aussi, il y a. Kamna, c'est 77. Rafferty, bah, c'est 82. Bob Jungels, on n'a pas ses stats, mais bon. Bouman, tu vas aller me chercher les bidons là? Ah, mais ça a déjà été fait. Ah, my bad. My bad, my bad, my bad. Ils ont 15 minutes d'avance quand même, les gars. Hein. Je sais pas, vous ferez gaffe. Ils ont 15 minutes d'avance. Un peu une folie de faire ça, mais vas-y. Hein. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, après tout. Why not? Crevaison de Lipovitz. Ah, c'est pas cool ça pour Lipovitz. Ça fait un équipier en moins. Allez, ça y est, on commence à revenir un petit peu sur eux là. Il serait peut-être temps voilà, d'accélérer un petit peu. C'est pas trop tôt. C'est dans quand même 15 minutes d'avance. Ce qui est un peu une folie. Un petit peu une folie. Attaque d'Épi. Mon Dieu, Josué Épi. Qui va essayer de prendre le maillot de meilleur grimpeur dans ce début de Tour de France. Pourquoi pas, pourquoi pas. On y va tranquille, on y va tranquille. Hein. On a affiché le top 10. Il n'y a personne au top 10. Bon, Pogacar est là. Ah, ils ont des bons coureurs. C'est qui dès la Mécouille? J'ai pas ses stats. J'ai pas ses stats, j'ai pas ses stats. Allez, aujourd'hui, il va falloir faire jeu égal avec Pogacar, éviter de perdre du temps. Ça va être dur. Même quasiment impossible, hein, on va pas se mentir. Hein, Pogacar, c'est un monstre. Pogacar, c'est un monstre. Mais par contre, les échappés, ils vont au bout là ou pas là? 12 minutes, 50 km. Je pense que ça va aller au bout, les échappés. Hein. Ah, surtout qu'on revient pas forcément là. Hein. Ah, on va laisser. Là, on est en train de faire un truc où il y a un gars devant.
Il va avoir 12 minutes d'avance au classement général, là, quand même. Je sais pas si on se rend compte. 11 minutes de retard. Ils vont être 5 devant, là, si on ne se réveille pas. Ils vont avoir 11 minutes d'avance. Hein. C'est une folie. Hein. Ah, c'est une folie, quand même. Hein. Une petite folie. Une petite folie. Va peut-être commencer à leur rouler derrière. Bah oui, bah là, c'est sûr et certain, ils vont aller au bout. Hein. On les a laissés partir totalement. Hein, faut juste quand même ne pas abuser du bail. Parce que là, on est toujours. Alors, on se met bien à 85. Nous, il nous reste 16 km. Alors, on va faire les 16 km ensemble. Eux, ils vont déjà avoir fini. Mais on n'est même pas trop revenu. Hein. On n'est même pas trop revenu là. C'est un peu fou ce qui s'est passé. Hein. Déjà, la victoire d'étape, Pogacar et Evenepoel, il l'oublie. Donc, il n'y aura pas les bonifs. Ça, c'est bon pour nous. Ah, il y a un peu une folie ce qui s'est passé, un peu une folie. Là, ça va vite, là. Là, ça roule vite. C'est un peu trop tard, hein. C'est pas 12 km qu'il faut se la donner. Parce que là, ils ont encore quasiment 10 minutes, hein. Ils ont même peut-être encore 10 minutes d'avance. C'est un peu une folie, hein. Folie d'avoir laissé 10 minutes comme ça aux échappées. Bah, il fallait partir en échappée aujourd'hui, hein. C'est ce qu'il fallait faire. La folie, les gars, la folie, ils vont arriver devant tranquillement. Et nous, on est encore très loin de l'arrivée. Pas très loin. Non, on est à 9 km, hein, mais ils vont avoir. C'est fou, hein. Ils vont avoir vraiment 10 minutes d'avance. Plus de 10 minutes d'avance. 10 minutes d'avance, les gars. Je sais pas si on se rend compte, hein, c'est une folie. On peut encore se ravitailler ou pas du tout, je pense pas. Hein. Non, on peut plus, hein. Je crois que c'est dans les. Je sais plus combien derniers kilomètres qu'on peut plus. Et ça y est, ça arrive. Qui va remporter le maillot jaune du coup? Marc Sarraut. Oh, il y a deux Français quand même, Anthony Turgis. C'est pas mal, hein. Je sais pas si c'est lequel qui va prendre le maillot, mais c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. C'est plutôt pas mal. Nous, on va arriver dans la petite côte. Et dans la petite côte, je vais faire ma fameuse technique. Hein. Effort curseur 99. Hein. Déjà, on va prendre le gel. C'est déjà pas mal. On va prendre le gel. Et vu que c'est très court. Vu que c'est très court, 99. Moi, je peux pas gagner au sprint, en fait. C'est impossible. Donc, autant manger le rouge directement. Allez, 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 je suis à 99 en effort curseur. Ah, mais je suis pas en effort curseur, je suis un connard. Alors, on y va avec Bob Newgles, on y va, on se la donne. On se la donne, on se la donne, on se la donne. Essaye de faire très mal à tout le monde. Allez, Angelo. Allez, Angelo, à 1 km. Sauf qu'il peut plus sprinter maintenant. Bah, c'est juste pour finir avec tout le monde, voilà. C'est juste pour finir avec tout le monde. Même pas Evenepoel, hein. Evenepoel, il a même pas fait la course. Remco Vingegaard est là. Milési, ouais. Pogacar, il est où? Pogacar, il est là. On finit devant Pogacar, donc pas de problème. Mais une folie quand même, hein. Une folie, les gars. On a laissé 10 minutes d'avance à ces mecs-là. Marc Sarraut, Josué Epi, Anthony Turgis. Ah, la folie, hein. La folie, la folie, la folie furieuse, du coup, au général. Bah, c'est du VF Group en plus, mais non. C'est notre ancienne équipe. Et c'est lui qui porte le maillot jaune. Avec 12 secondes d'avance sur Anthony Turgis. Ah ouais, hein. Et là, du coup, lui, il a 1 minute. Et après, il y a Bisseguer qui a 8 minutes 15. Une folie. Une folie, une folie. Donc, on est un peu revenu quand même. Mais c'est une petite folie quand même. Hein. 104 points de prix, parfait. On a les contrats à faire, j'imagine. Bon, calendrier, je m'en fous. Les contrats, bah, écoutez, on va refaire la même chose. Hein. On va refaire la même chose. Hein. 1, 2, 3. Et logiquement. Logiquement, 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 on devrait avoir une offre. Hein. On devrait avoir une offre. Allez, là, c'est du plat. On va simuler le plat, évidemment. C'est pas intéressant pour nous. Pourquoi tout le monde gagne une place là? Angelo, il est combienième là? Angelo, il est loin. Hein. Angelo, il est 47e à 8 minutes, à 8 minutes 52. Ah, il va bien sûr remonter dès qu'il y aura des étapes de. Ah, celle-là, je suis presque obligé de la jouer encore une fois. Hein. C'est pas grand-chose, mais si je veux pas perdre de temps, on va toutes les jouer. Toutes les jouer, celle-là, même si vraiment, si vraiment. C'est vraiment pas très dur. Hein. C'est vraiment. Je pense que. Il y a très peu d'écarts qui peuvent être faits ici. Hein. Très peu d'écarts qui peuvent être faits. Mais Pogacar favori, Van der Poel, Remco, bah, tous les gros punchers, évidemment. Simon Queens. Que des punchers d'exception. Que des punchers de fou. Que des punchers exceptionnels. C'est trop dur de battre ces mecs-là.
C'est beaucoup trop dur de battre ces mecs-là. Bah écoutez, nous pour l'instant, le Tour de France, il commencera pas tout de suite pour Angelo. Hein. Il commencera pas tout de suite. Bob Jungels, allez, tu protèges Angelo. On se met genre à 72, comme d'habitude. On se tape un petit x8. Et advienne que pourra. Ah, cette fois, on va voir s'ils vont relaisser partir des échappées sur 10 minutes et tout, des petites dingueries. Parce que bon. Ah, c'est épi du coup. C'est mon VSC, c'est mon ancienne équipe qui a le maillot jaune. Est-ce que c'est pas beau là, le VF Group? Attends, c'est Geraint Thomas qui a signé chez eux? Mais ouais, c'est Geraint Thomas qui doit avoir 72 millions d'années. Mais il est là, Geraint Thomas. On est en 0 aujourd'hui? Ok. On est en 0 aujourd'hui. Lipovic et Vlasov sont en plus 3. Bah, vaut mieux être en 0 dans ces moments-là. Hein, et aller prendre des plus 3 quand il y aura de la haute montagne. Là où on pourra vraiment faire la différence. Mais du coup, il va pouvoir le garder longtemps, son maillot, hein, en vrai. Hein. Avec 8 minutes d'avance, honnêtement, je pense qu'il peut le garder pendant très longtemps. Hein. Je sais pas si. Je crois pas qu'on connaît ses stats. Je sais pas s'il grimpe un petit peu. Je pourrais pas connaître ses stats. Hein. Donc je pense pas qu'il. Je suis pas sûr que ce soit un très gros grimpeur, mais il peut tenir peut-être une ou deux étapes. La planche des belles filles et tout, ce sera assez tranquille. Ce sera assez tranquille quand même. Je pense qu'il voilà, il prendra pas 8 minutes sur la planche des belles filles, enfin, sauf si vraiment il craque totalement. Sauf si vraiment il a 62 en montagne, mais ça m'étonnerait. J'imagine qu'il a peut-être un petit peu plus. J'en sais rien, à vrai dire, j'en sais rien du tout. On a laissé 6 minutes. Ils sont 3 devant. Hein. C'est qui les 3 de devant? Encore Anthony Turgis qui est parti. Le clinch 3 français. Hein. Et Verschuren. Verschuren, il est à 10 minutes. Il a 9 minutes. Et Anthony Turgis qui lui est deuxième au général. Et qui. C'est là que tu vois qu'il joue pas le général, hein, évidemment. Deuxième au général et il part dans l'échappée du jour. Là pour l'instant, bien sûr. Bah, par contre, s'il venait à laisser les échappés partir, Anthony Turgis, il aurait 15 minutes d'avance sur tout le monde, ce serait une folie. Hein. Ce serait une folie. Pour l'instant, le mieux placé hein, des favoris, c'est Remco. Hein. Remco est le mieux placé pour l'instant. On va pré-shot. Avec Amna, tu vas aller me chercher des petits bidons. Tu vas me chercher des petits bidons tranquillement. On essaye de prendre les bons réflexes. Voilà, c'est bon. Les bidons, c'est fait. Arnaud Delis qui serait pour l'instant le meilleur sprinter. Le meilleur grimpeur et le maillot jaune, c'est épi. Plus pour très longtemps, je pense. Est-ce qu'on revient là? Est-ce qu'on revient? Oui, on revient. Je pense qu'aujourd'hui, les favoris ont envie de se jouer la victoire. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Hein. Ça veut se jouer la win. Ce qui est plutôt logique. Il n'aurait pas tardé d'ailleurs à commencer à rouler un petit peu plus fort. Jungels qui fait le taf pour nous protéger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il reste 30 km, 2 minutes. Ah, et là, du coup, attention. Attention, attention aux cassures. Ouh là, ça fait peur. C'est bon, il s'est replacé Angelo, mais petite cassure. On pourrait finir très loin. Remco qui est là, Jungels, et Pi qui est là, évidemment. Le maillot jaune. Il reste encore un peu trop de temps. Un peu trop de. Voilà, on se met en x8. Je me prépare à mettre pause quand même. Parce que là, ça va enchaîner les petites bosses. Ça va enchaîner les petites bosses. Et je pense qu'on va faire les 19 derniers kilomètres ensemble. Bon, est-ce qu'il y en a un qui va réussir à me chercher les bidons là? Vlasov, il peut jouer quelque chose. Vlasov est très fort. Hein. Vlasov est très très fort. Hein. Lipovic. Allez, Lipovic, tu vas essayer de chercher les bidons. Ça va être dur, ça roule très fort. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas se mettre bien? Allez, hein, l'objectif est d'être bien, de faire attention à Remco, de faire attention à Pogacar, hein, qui devrait attaquer bientôt, je pense, Pogacar. Et là, tu vois, j'aime pas, on est en train de perdre nos places dans le peloton. Alors là, on m'a donné le conseil de mettre en effort curseur, donc on fera attention. Si jamais je vois qu'on descend trop, on mettra un petit effort curseur. Est-ce que Lipovic il va réussir à donner les bidons? C'est notre question, ça. Bon, c'est bon, les échappés, on va les rattraper. Ça va jouer entre les favoris, la victoire d'étape. C'est certainement pas Angelo qui va gagner. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? On est gêné! On est gêné! On nous gêne! Attaque de Carapace devant. À 11 km de l'arrivée, Carapace qui tente. Mais ça ne donnera rien. Là, ça se regarde un petit peu maintenant qu'on a repris les échappées, mais non, ça roule toujours. Ça rattaque devant, c'est qui? C'est Ayuso. Ayuso et Baroncini qui tentent.
Je pense que c'est un peu trop tôt pour eux. Lipovic, il est où Lipovic? Là, il s'appelle pas Lipovic, c'est Lipovic. Ok, il est là, il va pouvoir donner à Angelo, parfait pour les derniers kilomètres. Nickel. Il a donné à tout le monde. Bon, 8 km. Voilà, ça attaque très fort devant. Baroncini qui retente. Je pense que nous, on va commencer à mettre notre effort. On va commencer à mettre notre effort à 85. C'est trop dur. C'est trop dur à 85. Je suis personne à 85. Hein. Peut-être à la 86, 87. En fait, vous voyez, c'était impossible. On est à 99. Ça rend fou. Je peux pas remonter le peloton, les gars. C'est impossible. Bon, là, par contre, dans la descente, ça sert à rien. On va se mettre en... Juste en garder position. On est avec tout le monde. On devrait pas perdre de temps. Il reste quoi? Il reste... Ah, le gel, j'ai oublié. Super. Ah ouais, bon. Je garde position. Il est tout là-bas, lui. Bah, génial. Il est tout derrière. Il est tout derrière. Il est tout derrière. Il est tout derrière. Ah, il se replace. Il se replace. Ça va sprinter. Ça va sprinter. Ça va sprinter maintenant. J'ai été gêné, super. Super, j'ai été gêné. Oh, Rafferty peut-être. Rafferty qui va s'imposer aujourd'hui. Il va me gêner lui. Ah, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Elliott Rowe, devant Van Edvelt, Christophe Laporte, Ben O'Connor, Rafferty qui fait 6. On devrait finir dans le même temps que tout le monde. Hein. Pogacar qui fait 14. Et derrière Epi qui a tenu. Hein. Epi qui ne perd pas de temps. Epi qui ne perd pas de temps. Alors on a été gêné un petit moment et ça nous a mis. On est d'accord qu'on perd pas de temps. Hein. Pas de bêtises. Hein. Me dites pas que j'ai perdu du temps là. Rafferty, ouais, c'est bon. Tout le monde est dans le même temps. Bah, ça ne changera rien au classement à part Rafferty qui prend 12 places. Rafferty qui est bien. Ah, j'ai pris 28 places aussi. Ok, on remonte. 19e. 19e, 19e. Pas mal, pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on prend un petit peu de forme? Je ne sais pas. Étape de plat, ça simule. Peut-être une petite dernière étape à jouer encore. Wout Van Aert qui s'impose devant Jasper Philipsen. On a que des Belges. Que des Belges, les gars. Que des Belges. Lely qui a fini un petit peu plus loin. Il n'y a pas eu de surprise dans les abandons. Non, mais quand même des pertes de temps. Des pertes de temps pour un petit groupe, dont Pinarello. C'est dommage pour lui. Mathieu Burgodo. Ok, les gars. Nos problémos, nos problémos. En plus, il est jeune. Encore une étape de plat. Bah, on a dit, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, les gars, il n'y a que ça. Jasper Philipsen qui s'impose devant Luke Lamperti. Alors, Jonathan Milan. Ok. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, les gars, on enchaîne, hein, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne avec quoi? Vraie question, on enchaîne avec quoi? Avec qui? Encore du plat, on rompiche. Encore Philipsen qui s'impose, qui doit être premier du coup. Attends, comment ça, par point? Ah, c'est sur l'étape, au général, du coup, je veux dire. Au général, il est à 184 points. Arnaud Delis est un petit peu plus derrière. Meilleur jeune. On est là, pas loin de Rafferty. Ayuso, Milesi. Ayuso, du coup, il est encore dans les meilleurs jeunes. Il a que 24 ans. Faire attention à lui. Hein. Faire attention à lui. Hein. Et au général, on est toujours 18e à 7 minutes 30. 7 minutes 30, ça se rapproche. Et là, du coup, il devrait y avoir la planche des belles filles. Si je ne m'abuse. Ouais. Eh ben, c'est la dernière étape qu'on va jouer aujourd'hui, la planche des belles filles, les gars. Il y a peut-être des trucs à faire aujourd'hui. 92% de forme, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On aimerait avoir un petit peu plus, je vais pas vous mentir. On aimerait avoir un petit peu plus. Est-ce qu'on fait partie des favoris aujourd'hui? Je sais pas, vu que c'est de la moyenne montagne. Bon, il y aura Pogacar qui va faire partie. Enfin, Pogacar, Vingegaard, ils vont être les favoris du jour, j'imagine. Ils vont être durs à suivre. Je suis même pas dans les favoris. Ah, je suis une petite merde. Non, mais dites-le, hein, dites-le. Angelo est une petite merde. Est une petite merde. Voilà. Dites-le fort. Dites-le directement. Hein. Chaque fois, je suis jamais dans les favoris sur l'ordre d'étape. Après, je manque peut-être de résistance et tout. Hein. C'est ça qui va me manquer. Hein. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais compliqué, compliqué. Bob Jungels. Allez, tu vas protéger. Bob Jungels, tu vas protéger Angelo. Il y a Bowman qui devait le faire, mais bon, je préfère que ce soit Bob Jungels. Comme d'habitude, on se met un petit 72. On fait genre se placer derrière Christophe Laporte. Et c'est parti.
C'est parti, let's go. On y va pour cette étape, la dernière qu'on va jouer aujourd'hui. Qui risque d'être très difficile pour nous, du coup. Hein. On n'est pas du tout dans les favoris. Il va essayer de falloir de ne pas perdre de temps. Est-ce que Epi va pouvoir tenir bah, son maillot quand même, je pense, oui. M'étonnerait qu'il tienne pas son maillot quand même, ce serait une folie. Qu'il tienne pas son maillot. On est en plus 0 encore une fois. Là, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus. Hein. Pas vous mentir. Rafferty est en plus 3 aujourd'hui. Hein. Rafferty est en plus 3. Rafferty, du coup, ça lui donne plus 4 en ballon. J'ai rien du tout. Bob Jungels est en plus 2. Rafferty, donc on a vu plus 3. Vlasov est en 0. Lipovic est en plus 3. Ça lui donne des belles stats aussi. Kamna est en moins 1, malheureusement. Et Janeley aussi est en plus 2. Hein. Janeley, c'est pas mal. Janeley, c'est pas mal du tout. Ok. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Du coup, le top 10, c'est quoi exactement là? Au niveau du classement, le top 10, et du coup, ouais, il y a toujours Marc Sarro, Anthony Turgis. Il y a lui aussi qui. Bah, du coup, c'est Remco qui prendrait le maillot. Hein. Tibéri n'est pas très loin derrière. Rafferty non plus n'est pas très loin. Et nous, on est un petit peu plus loin quand même. Hein. On a 1 seconde de Carlos Rodriguez, à 3 secondes de Pogacar. Tout ça n'a pas changé. Est-ce qu'on arrivera à les tenir aujourd'hui? Est-ce qu'on arrivera à finir dans les mêmes temps qu'eux? Ça va être compliqué. C'est encore une fois fait pour des gros punchers et pas des gros grimpeurs. On n'est pas un gros puncher parce que on manque de résistance, on manque de baroudeur, on manque d'accélération, on manque de sprint, on manque de tout. On manque de pas mal de choses, il est vrai. Il est vrai que c'est compliqué. Mais en fait, ce qu'on peut aller Bouman, là, il faut venir donner, voilà, les petits bidons à Angelo. Comme ça, Angelo, il est tranquille, il est bien. Tout va bien pour lui. Tout est ok, tout est au vert. Allez, on se met bien devant s'il faut. On va récupérer dans la descente, mais ça remonte et ça va redescendre. Attends, attaque de Clément. On a encore laissé 8 minutes d'avance à des mecs. C'est une folie de faire ça. Hein. C'est une folie de laisser autant d'avance aux échappés à chaque fois. Hein. Vraiment, les maillots jaunes ne savent pas. Enfin, les équipes de maillots jaunes ne savent absolument pas gérer des échappés. Hein. Peut-être un peu too much là. On se met à 80. On commence à rouler beaucoup plus fort. Petite pause. Kamna va me chercher des bidons. On va en avoir besoin. Alors, on passe sur un x8. Une petite bosse. Et puis après, on va se diriger vers la planche des belles filles tranquillement. 4 minutes 52. Bon, on est en train de bien fondre là sur les échappées quand même. Quoique, ils ont repris du temps. Mais on en reprend à nouveau. 4,25, 4,20. Et on va peut-être pouvoir aller au bout encore une fois les échappées. Hein. Ça va peut-être pouvoir tenir. C'est pas impossible que ça tienne. Pas du tout impossible que ça tienne. Quoique 2 minutes 50. Ça va être compliqué quand même. Hein. Si on revient à moins de 2 minutes avant la planche des belles filles, ça risque d'être assez compliqué pour eux. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est en train de. Waouh, on est en train de se cramer de baiser là. Ok. Ok, il reste 6 km, il reste 6 km, ça va être la planche des belles filles, je vais demander à Rafferty de me protéger. Ah mais il est loin, pourquoi vous êtes si loin les gars, pourquoi vous êtes si loin, c'est une folie d'être si loin. Apparemment ça suffit pas, on va se mettre à 85, il est un petit peu tout seul Angelo, il est un petit peu tout seul et je sais pas trop quoi faire là. Remco. Tu vois, ouais, ça va trop vite, ça va trop vite. Bob Jungels et Bouman, du coup, il faut juste que je les mette en automatique, sinon ils vont faire n'importe quoi. Et là, ça va trop vite. Après, il reste plus que 5 km. C'est dur, mais il reste plus que 5 km. Je vais me mettre en effort curseur. Je vais attendre un petit peu pour le gel. Mais regarde, même en effort curseur 85, c'est une folie. Je remonte personne. C'est une folie quand même. Ah, je vais faire mon effort à moi, hein. On verra bien. Hein. Est-ce que ça tiendra à 4 km encore? Allez, c'est maintenant qu'on va prendre le gel. C'est maintenant qu'on va prendre le gel. Il faut tenir avec tout le monde. Est-ce qu'on ne se fatigue pas plus comme ça qu'en restant dans le groupe? Je sais pas. Il y en a pour qui ça commence à être dur. Pour qui, à mon avis, c'est très facile. Pogacar, peut-être pas si bien que ça. Hein. Tibéri est très bien. Il en plus 3, c'est normal. Queen Simon, j'ai pas. Remco. Ouh là là, Remco!
Remco, il va lâcher là. Remco, il va lâcher. Et Raffertil est là pour me protéger. Ouais, s'il avait réussi à venir plus tôt, ça aurait été mieux. Remco qui va lâcher. Ah, sauf que ça arrive. Ça y est, c'est fini pour Remco. C'est fini pour Remco qui va perdre du temps aujourd'hui. Remco, c'est la première surprise. C'était potentiellement une étape pour lui aujourd'hui. Allez Angelo, allez Angelo, allez Angelo. Hein. Faut tenir, faut tenir. Faut tenir au maximum. On va arriver bientôt sur les quelques derniers mètres. Clément Champoussin qui s'in... Mais regarde-moi ça, on m'a gêné! Allez, je sprint. Hein. Ah, j'ai sprinté trop tard. J'ai sprinté trop tard, j'ai perdu du temps. Putain! J'ai sprinté trop tard, les gars. Pogacar qui fait 2. Carlos Rodriguez qui fait 3. Lenny Martinez, Tibéri, Ayuso, Primoz Roglic. Ah, j'ai sprinté trop tard, j'ai été gêné. J'ai été gêné, j'espère que je perds pas trop de temps. Mais je vais perdre du temps, c'est quasi sûr. Ah, j'aurais pu y aller un petit peu plus fort. On aurait pu y aller un petit peu plus fort, malheureusement. On n'a pas osé, on n'a pas osé. J'aurais pu, on avait encore de la marge. Hein. On avait encore un petit peu de marge. Mais j'ai été full gêné. Par contre, Remco qui perd du temps. Hein. Ça, c'est la surprise. Hein. Remco qui n'était pas... qui était pas très bien aujourd'hui. Et qui va perdre un petit peu de temps. Qui va en perdre beaucoup, même sur Pogacar, du coup, j'imagine. Hein. Il va en perdre beaucoup. Et déjà là, après cette étape, les cartes vont être rétablies. Hein. Alors, le maillot jaune, il va rester sur les épaules de Jean-Michel, là. De Jean-Michel, je sais plus comment il s'appelle. Au général, du coup, bah, il garde 2 minutes d'avance. On a gagné 8 places, on est dixième. On est dixième, on est dixième. Remco, il a tout perdu. Hein. On n'a pas perdu tant de temps que ça sur Pogacar, ça va. Sur l'étape, fais voir, du coup. Ah, mais on est dans le même temps en fait. Oh, mais c'est nickel! On a. Ah, si, non, si, si, on a perdu un peu de temps sur Pogacar. Une 37, une 33. Ah, Clément Champoussin, il était tout seul. Hein. Donc, on a perdu. Bah, on est dans le même temps, on a perdu 4 secondes. On a perdu que 4 secondes, donc tout va bien. Au général, on repasse du coup devant Rafferty. On repasse dixième. Devant nous, il y a Pidcock. Pidcock qui est bon. Pidcock qui est très très bon. Mais en montagne, on devrait le fumer. Il y a Carlos Rodriguez qui est incroyablement bon. Ça va être très très dur de le battre, lui. Pogacar, évidemment. Il y a Skelmose, hein. Skelmose qui est vraiment pas mal, mais en montagne, on devrait quand même le manger. Kevin Vauquelin, pareil, hein, qui est très fort, mais c'est les punchers, ça. Hein. Ben O'Connor, attention. Attention à Ben O'Connor. Ayuso, attention à Ayuso, qui est très bien. Et Tibéri qui est très bien aussi. Et Epi. Epi qui est toujours là. Toujours maillot jaune. Mais pour combien de temps? On ne sait pas en tout cas. On va se laisser ici les amis pour cet épisode. Rendez-vous demain pour la suite de Tour de France. En attendant, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis bye les gens.